L'Allemagne, c'est aussi un pays avec de très belles villes, comme Dresden, Berlin, qui est mon coup de cœur. Franchement, il faut que vous y alliez un jour. Et Munich, en exclusivité, la tenue traditionnelle, rien que pour vous. L'Allemagne vous permet également de faire des échanges grâce à l'OFAGE. Les échanges peuvent durer entre 2 à 6 mois, suivant les modalités. Il y a l'échange Brigitte Schnosé, l'échange Voltaire et l'échange Erasmus quand vous êtes un petit peu plus âgé. Vous pourrez également découvrir que du coup l'école c'est le pied parce qu'on peut travailler en chaussons, c'est super, et on peut manger et boire dans la classe. L'Allemagne c'est aussi un pays où les habitants sont ouverts d'esprit totalement et ça se remarque plus particulièrement dans le carnaval de Cologne que je vous conseille fortement si vous passez aux alentours. On va parler du côté culinaire. Aussi le petit Brötchen, c'est un petit pain blanc qui ressemble un peu à la baguette française avec une saucisse qui dépasse, c'est énorme mais trop bon. Et en boisson, il y a l'Apfelschorle qui est tout simple à réaliser, donc si vous avez chez vous de l'eau pétillante avec du jus de pomme, foncez et vous allez être accro. Mais pas accro qu'à l'Apfelschorle, mais à l'Allemagne. Revenons aux choses sérieuses. L'Allemagne joue un rôle très important dans l'économie mondiale. En effet, elle recrute énormément de gens. L'automobile, avec Audi, BMW, Mercedes, Porsche. D'ailleurs, petit conseil d'amis, si vous êtes un grand fan de voitures et de motos, je vous conseille le BMW Welt à Munich. C'est un très grand musée qui regroupe des anciens comme des nouveaux modèles de voitures et de motos, comme je vous l'ai dit précédemment. C'est aussi le pays le plus industrialisé d'Europe. Et oui. Et parler allemand est très important pour votre CV. En effet, ça va vous permettre de faire des stages de ouf. J'ai fait un stage de 1 mois dans un tribunal correctionnel à Munich qui aurait été en France, on te le dit carrément impossible, même pas en rêve. Ou alors, peut-être, mais vous aurez été à la photo que puisse toute la journée. Alors que moi, j'ai assisté à des audiences, on m'a demandé mon avis pour certaines enquêtes et j'ai également visité la prison pour hommes de Munich. Bon, voilà, je pense que vous avez compris que parler allemand, c'est quelque chose de très rare et donc de très précieux. Allez, je vous laisse, j'ai ma marque qui m'attend. Pure marzipan. Oh, lecker.